Savoir ce que tu fais là. On a Michael. C'est vrai? Comment? Je sais pas. J'imagine qu'on le doit à Catherine. Le plan est en marche. Tu vois? Je te l'avais dit que je gérais. Vas-y, tape-moi, crie-moi dessus. Je suis sûr que t'as répété ton serment toute la journée. Je vais pas te crier dessus. Pourquoi? J'ai agi dans ton dos, j'ai libéré Stéphane. Et il y a eu quelques petits ratés quand même. Il est encore plus naze qu'avant. Sauf que maintenant, c'est un naze qui s'est rallié à nous. Je t'en veux pas, mais je suis fatiguée et j'aimerais dormir. Je pense que l'arme de Michael doit être un pieu. À un moment, il y a fait allusion. Alors, un pieu taillé dans le vieux chêne blanc avant qu'il le brûle. J'en ai marre d'avoir raison. Après toutes ces péripéties, la grotte nous a conduits à Michael. Elle a fait plus que nous conduire à lui. Je crois que Rebecca aussi va se rallier à nous. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as appris? Que c'était une fille comme les autres. Qu'elle avait perdu sa mère beaucoup trop tôt. Que quand elle aimait, c'était d'un amour aveugle et insouciant, même si ça la détruisait. Tu sais, au bout du compte, il n'y a rien de plus important dans la vie que la famille. Tu devrais dire ça, mon frère. Je te le répète, je t'en veux pas de l'avoir laissé sortir. Je pense qu'il n'y a que toi qui sois véritablement capable de le sauver. Ce qui compte, c'est pas son amour pour moi. Ce qui compte, c'est son amour pour toi. Je pourrais te raconter le reste demain. Bien sûr.